مساء الخير، مساء النور، بونسوار ا توت يا توس. مرحبا بكم اولا في على قناه مغرب الضفتين، في هذه السلسله ديال الندوات اللي كيقدمها الائتلاف الجمعوي لتنميه المغرب الشرقي لو كادر اورونتال اوروب، في برنامج لكم الكلمه، والكل كيعرف انه لكم الكلمه برنامج اللي كتهدف من خلال قناه مغرب الضفتين تقويه اواصر مغاربه العالم ببلدهم الأصلي، وكذلك برنامج اللي كيرصد وكيناقش مدى مشاركة مغاربة العالم الفعالة في تنمية البلاد والإنشعاش ديالو. هذا البرنامج هو حواري كيتناول مجموعة ديال القضايا اللي كتهم مغاربة العالم وكذلك مغاربة الضفتين، وبمثابة في مساحة للتفكير وتبادل الخبرات عبر نقاشات محورية علمية اجتماعية فكرية طبية، يعني رفقة باحثين ومثقفين وفاعلين من مغاربة الضفتين، وكل هذا يعني الهدف ديالو من أجل حشد جميع الكفاءات المتنوعة للمغاربة أينما كانوا. كنعرفوا بأن مغاربة العالم كيتواجدوا في أكثر من 110 دولة، واللي كيتجاوز العدد ديالهم غادي نشوفوا مع ضيفنا الفاضل كيتجاوز 6 ملايين. على يعني كيفاش أن هذه الكفاءات بإمكانها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، والتأثير كذلك ديالها في الخارج في بلد الإقامة. هذا البرنامج كيسلط الضوء إذن على الدور اللي كتلعبوا هذه الكفاءات، اللي غادي نعرفوا بها كذلك شنو ما هي الكفاءات ومن هي الكفاءات اللي بإمكانها المغربية الموجودة في الخارج اللي بإمكانها يعني تساهم بشكل فعال في تنمية المغرب، واللي كذلك كتعتبر في الخارج أنه كوسيط بين ثقافة بلد الأم وكذلك بلد الإقامة. إذا برنامج اللي كذلك اللي كينصت هذاك نبض المغاربة العالم، واللي كيعبر على الانتظارات ديالهم والانشغالات الانشغالات كذلك ديالهم. إذا بونسوار توت، بونسوار à tous. On sait très bien que la diaspora marocaine a toujours été vecteur de vecteur du progrès et transformation. Je disais tout à l'heure que bienvenue sur cette plateforme Les Maroc des deux rives, dans le but d'amorcer une réflexion collective qui mobilise et implique toutes les forces vives des deux rives. Le cadre oriental Europe organise depuis pratiquement 2 ans, une série de débats, pratiquement chaque semaine, des conférences débats, des webinaires portant sur des programmes de développement, des programmes qui touchent le développement du Maroc sur divers, on va dire, sur divers sujets et aussi sur son rayonnement. Jamais le Maroc n'a manifesté un intérêt aussi important pour intégrer sa diaspora dans l'approche du nouveau modèle et aussi ce nouveau modèle de développement du Maroc. Et aussi, jamais la diaspora n'a été autant convaincue et prête à y participer activement dans le développement du pays. On a le plaisir ce soir de recevoir notre invité, c'est Hicham Jamid, qui est docteur en sociologie du Conservatoire national des arts et métiers du CNAM Paris,
lise CNRS, post-doctorant à l'Institut de recherche pour le développement IRD au sein de l'Université d'Aix-Marseille, un spécialiste des migrations internationales marocaines qui, avec nous, analysera cette dynamique de ses profils, ses compétences marocaines et dans ce webinaire sur le thème le Maroc et ses compétences, quelle politique pour quelle mobilisation. Marhaban, c'est Hicham Jamil, merci d'avoir accepté l'invitation. Azul Flaoun, salam alaikum. Seb Khalq, merci beaucoup pour l'invitation. Shukran jazilan ou ahlan bel moucharikin ou moucharikat ma'ana fad webinar. Foursa l'échange est constructif pour nous toutes et tous. Merci beaucoup, سي هشام. أكيد سي هشام هو واحد الإنسان اللي مخضرم كذلك الكفاءة المغربية اللي كوم تو براتيكمون توتes les compétences marocaines et une bonne majorité qui a fait ses études au Maroc, Maroc, mais aussi qui ont consolidé leurs compétences et leurs recherches et leur formation dans le pays d'accueil. C'est Hicham, je commencerai par une citation de Sa Majesté. On sait très bien que lors de son dernier discours, Sa Majesté le Roi a appelé à la création d'un mécanisme d'accompagnement des compétences et des talents marocains à l'étranger. يعني كان في ذاك المقال المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكة والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. Mais avant cela, je lisais récemment, je lisais un article dans notre ami Farid Moha, que je salue à travers ce webinaire. Elle disait, je pense que c'était un marque diplomatique, elle disait que c'est un chercheur africain qui a le mieux résumé la force et le rôle de la diaspora marocaine. Il s'appelle Emeka Chikerzi. Il a formulé les 5 C, les 5 C du capital de la diaspora pour mettre en évidence les diverses formes d'engagement de la diaspora que sont le capital financier, le capital intellectuel, le capital politique, le capital culturel et le capital social, social. Tout ça peut fournir au pays d'origine qui est le Maroc. Si Hicham, à travers toutes tes recherches et ça, qu'est-ce que tu entends par compétences? On parle des compétences des Marocains du monde, mais c'est quoi ces compétences? Est-ce que tu peux éclairer notre public? En quoi consistent ces compétences, leur expertise, et après, bien sûr, on passera à d'autres axes selon ton intervention, Céline. Merci beaucoup pour la question, c'est Abdel Khalq, parce que ça me permet justement de faire juste un petit zoom, si j'ose dire, sur la thèse que j'ai soutenue du coup en décembre dernier, qui est une thèse en co-tutelle, c'est-à-dire j'avais un double inscription. Moi, j'ai fait toutes mes études supérieures au Maroc jusqu'en master. Donc, j'ai eu une licence en économie et gestion. Après, j'ai fait un master pluridisciplinaire à la Fac des Lettres d'Agadir, donc en migration et développement durable. Il faisait partie des quelques masters, on va dire maintenant, il y en a plus, mais à l'époque, c'était l'un des seuls masters qui est spécialisé sur la question migratoire. Et d'ailleurs, quand j'étais admis dans ce master, des amis à moi, admis en finance, banque et assurance, se foutaient de moi, mais l'immigration internationale, ce n'est même pas un sujet quoi, digne de ce nom. C'est un peu l'histoire d'ailleurs de cet objet de recherche, même en sociologie ou dans les sciences humaines et sociales. Et après, une fois terminé mes études au Maroc, donc je suis venu en France pour faire ma thèse en m'inscrivant à la fois en France et au Maroc. Et j'ai choisi comme thème parce que la littérature, on va dire, scientifique existante sur l'immigration internationale marocaine, elle est foisonnante. Elle est vraiment foisonnante et elle abordait plusieurs aspects, plusieurs thématiques, divers aspects de cette forme, enfin de l'immigration internationale marocaine. Mais, on va dire, le point aveugle de cette recherche existante, c'était justement la migration des Marocains hautement qualifiés ou hautement diplômés. Il existe une documentation que j'appelle une documentation grise,
Donc, soit produite par les institutions en charge des Marocains résidant à l'étranger, notamment le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ou des études du ministère chargé des affaires des Marocains résidant à l'étranger, les travaux notamment de la Fondation Hassan II, quelques rapports aussi d'expertise d'organisations internationales. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment un travail, on va dire, qui analyse plus finement les parcours migratoires et les trajectoires professionnelles de ce profil de migrants marocains. Et du coup, moi, j'ai travaillé sur les Marocaines et les Marocains qui viennent faire leurs études supérieures ici en France, et après, ils et elles deviennent des cadres supérieurs, notamment des ingénieurs, des cadres supérieurs dans le domaine de la finance ou des nouvelles techniques d'information et de communication. Et je comparais les parcours de celles et ceux qui décident de rester en France avec celles et ceux qui choisissent de retourner au Maroc. Et comme ça, je vais rebondir sur ta question et je ne vais pas vraiment être trop long pour nos participants. Vous savez, les mots, en tout cas, c'est des éponges et du coup, ils ont des significations. Et moi, parmi les défis, on va dire, méthodologiques de mon travail, c'était le choix entre la notion de qualification et la notion de compétence. Du coup, moi, dans mon travail, j'ai mobilisé plutôt la notion des Marocains hautement qualifiés. Parce que la qualification, on va dire, elle est standardisée et elle est reconnue par un titre, un diplôme. Et puis, il y a plusieurs critères pour définir qui sont les hautement qualifiés. Donc, il y a des définitions, notamment des certifications de type de formation suivie, mais aussi de type de la profession suivie, donc, que ce soit une définition de l'UNESCO ou la définition du Bureau international du travail. Et aussi par rapport à l'emploi occupé, par rapport au salaire touché et par rapport aussi au type de séjour. Par exemple, en France, il y a le type de séjour qui s'appelle passeport talent et qui définit le type de personnes qui sont, on va dire, qui peuvent postuler à ce poste, à ce titre. Et puis, il y a la notion, on va dire, sa sœur jumelle, qui est la notion de compétence. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que les deux notions, ils ont fait débat depuis les années 50, notamment en sociologie du travail, c'est quand on parle de la qualification et quand on parle de la compétence. La compétence, eh ben, elle renvoie plutôt au savoir-être, au savoir professionnel de l'individu. Et souvent, il y a aussi ce côté, on va dire, un peu subjectif, ça veut dire d'évaluation par le pair, par des pairs. Dans un domaine, on dit la personne, elle est compétente ou pas. Et là, ça me permet de rebondir parce que lorsque dans la politique marocaine, on parle de la mobilité, de la mobilisation des compétences, souvent, on croit que les compétences sont que les médecins, les ingénieurs, alors que dans une étude justement du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ils ont plutôt, on va dire, mis en place une définition plus large qui considère les compétences aussi comme des acteurs artistiques, par exemple, pour donner des exemples concrets. Le Moutiakhab Mghrebi a fait des compétences marocaines résidentes à l'étranger. Exactement. Jouer. Jamel Debbouze, c'est une compétence avec son Marrakech de rire. Etc., etc. Donc, ça ne se limite pas à la mobilisation des compétences qu'au profit de ceux et celles qui ont fait des études supérieures, d'ingénieurs, etc. Il faut vraiment prendre une définition beaucoup plus large. Très bien. Merci beaucoup, c'est Hicham. D'ailleurs, tu disais, alors, quel que soit le type de formation, d'éducation, surtout aussi le secteur d'activité et aussi le niveau de responsabilité. Tu as parlé de compétences, t'as par, oui, de compétences et aussi la qualification. Alors, c'est un tissu social, on va dire, très varié et qui comporte, de la diaspora, comporte beaucoup de Marocains actifs dans divers secteurs, mais qui peuvent éventuellement être utiles pour le Maroc. Alors, Sicham, comment la diaspora peut efficacement participer au développement du Maroc et aussi à son rayonnement dans le pays d'accueil? Et après, bien sûr, après la question serait, est-ce que, et en même temps, je donnerai une deuxième partie de la question, est-ce que cette diaspora ou ces personnes hautement qualifiées ou compétentes ou expertises doivent obligatoirement rentrer au Maroc pour participer
au développement du pays, ou bien leur instance dans le pays d'accueil pourrait être une force majeure pour le pays. هنا السي عبد الخالق بوتيت غادي نحل واحد القوس باش نمشي معاك مازال في الحوار. اولا بروميير دي شوز باردون سي كو سي با او ميغران دو ديفلوبي سون بي سي با اون اوبليغاسيون سي ليتا كي ديفلوب سون بي اي سيت كيستيون دو ميغران اكتور دو ديفلوبمون دو سون بي دوريجين فو سافا كو لو ميغران اي كونتريبيو اوسي او ديفلوبمون دو سون بي داكوي فان انتر غيمي مو جو موبيليز با لو مور اكوي. L'accueil, c'est à l'hôtel, il faut payer pour avoir l'accueil. Moi, je dis le pays d'installation. Donc, le migrant, ce n'est pas son rôle et ce n'est pas son devoir ou pas, c'est avoir chacun, c'est individuel. Et les Marocains résidant à l'étranger, ils contribuent au développement. D'abord, il faut définir c'est quoi le développement. Ils le font depuis plusieurs années avec leur propre initiative. Lorsqu'on voit, par exemple, l'expérience, qui est une expérience reconnue à l'échelle internationale de cette association de migration et développement dans la région du Sousse, et comment ils ont transformé un territoire qui était un territoire pour chasseurs de départ plutôt à un endroit où ils ont mis. Donc, ça se trouve. Comment ils peuvent contribuer efficacement? Ça, c'est vraiment un gros sujet parce que. Parce qu'ils le font lorsqu'on voit, par exemple, le nombre de transferts d'argent des Marocains résidant à l'étranger qui ne cesse d'augmenter. Mais est-ce que ce sont leurs régions d'origine qui bénéficient de ces transferts d'argent, par exemple? C'est que la région Kazakh, Qnetra, voilà. Et puis, il y a la question aussi de, là, dans le discours du souverain du 20 août dernier, c'est vraiment un appel, encore une fois, pour redonner un nouveau souffle à la politique de mobilisation ou bien à la politique d'attention ou de connexion du Maroc avec sa diaspora, je le mets entre guillemets. Parce que cette politique, elle date vraiment des années 90. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que le Maroc s'intéresse à ses Marocains résidant à l'étranger. Par contre, il y a deux types de politiques. Donc, il y a la politique de l'État, qui est une politique à long terme, et qui est un peu cristallisé via la Fondation Hassan II, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le ministère. Et puis, il y a la politique du gouvernement. Et ici, c'est de haut débat. C'est plutôt une politique à court terme, etc. Donc, pour contribuer efficacement, d'abord, il faut savoir quels sont ces Marocains résidents à l'étranger. Oui. Parce que souvent, on met en avance que les Marocains résidents à l'étranger, ils ont un indéfectible attachement à leur pays d'origine. Ça, ok, d'accord, ça existe, mais ça ne suffit pas. Ces Marocains résidant à l'étranger, ils sont aussi attachés à leur pays de résidence, notamment leurs descendants, parce que dans les statistiques, on les compte aussi. Lorsqu'on parle de 6 millions ou de 5 millions de Marocains, on compte aussi leurs deux descendants de ce qu'on appelle la deuxième, la troisième, voire la quatrième génération. Mais est-ce qu'ils ont les mêmes rapports avec le Maroc? Eux, est-ce qu'ils le connaissent comme leurs parents, etc. Donc, pour contribuer, bah, il faut d'abord connaître ces gens-là, savoir où ils mettent leur épargne, et puis pas forcément dans les stratégies ou les politiques, lorsqu'on les met en place, on pense qu'aux migrants, à l'individu. Par exemple, moi, je connais plus le sujet des Marocains hautement qualifiés, hautement diplômés. Souvent, on pense qu'aux migrants en tant qu'individu, mais jamais on pense à sa famille, à l'écosystème dans lequel s'il veut retourner, dans quel écosystème il va travailler, dans quelles conditions il va travailler, ses enfants, dans quelle école il va les mettre, quel système de santé existe et dans lesquels, enfin, et quel écosystème aussi social dans lequel ils vont évoluer. Donc, tout ça, ce sont des problématiques s'ils ne sont pas, on va dire, améliorés. On ne pourra pas dire que c'est efficacement ou pas efficacement parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Est-ce que les Marocains contribuent vraiment? On n'a pas d'outils pour évaluer la contribution parce que lorsqu'on regarde leurs transferts, bah, ils cessent d'augmenter. Donc, Marocains, à titre individuel, loin des caméras, loin des initiatives, des programmes mis par le gouvernement, ils font plein d'actions sans attendre l'État qu'il intervient. Parfois, l'État, il n'est même pas au courant. Excellent. Alors, dans ce cas, je merci d'avoir. Tu as parlé d'ailleurs de la Fondation Hassan II, CCME, etc. Tu as parlé aussi comment l'implication des Marocains du monde, est-ce qu'ils sont obligés de participer au développement du Maroc? Et des fois, ils le font, même si on ne les sollicite pas.
Et tu l'as dit, lors de la crise pandémique, on a vu qu'en 2021, quand même, il y avait un investissement de plus de 74 milliards de dirhams et qui est passé en 2020, pardon, en 2021, fin 2021, à pratiquement 100 milliards. Il y a eu, après le discours du souverain, je pense qu'avant, il y avait le rapport du CMD, de la Commission spéciale du nouveau mode de développement, ce rapport qui a préconisé la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles premièrement pour une meilleure présentation des Marocains du monde, avoir aussi une vision commune pour une coordination. Il a parlé aussi de comment de cette gouvernance éclatée, parce qu'il y a une insuffisance en termes de coordination. Tu as cité le ministère délégué des Marocains résidents à l'étranger, de la Fondation Hassan II, du CCME. Donc, ces acteurs, il y avait des attributions des acteurs, mais une faiblesse des moyens dédiés. Et donc, comment mobiliser ces Marocains du monde, comment les impliquer et aussi comment répondre à leurs attentes, sachant que toutes ces compétences qui sont parties à l'étranger, on va dire à un pourcentage très très élevé, sont parties par leurs propres moyens et le fait qu'ils, premièrement, qu'ils s'affirment dans le pays de résidence, comme je reprends ton terme pour ne pas dire le pays d'accueil, c'est que ces pays de résidence, ils ont su capter ces compétences et les intégrer dans le développement de leur pays. Là, il y a trois institutions donc qu'on connaît, alors qu'il y a d'autres institutions aussi qui interviennent de manière, on va dire, moins indirecte. Indirect. Donc, on a la Fondation Hassan II pour les Marocains dans l'étranger, le ministère, et d'ailleurs, qui a été jusqu'à le dernier, on va dire, le dernier gouvernement, qui était un ministère dédié, Zamaqaim Bidati, ou comment dire, un secrétariat d'État, je pense, qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a eu aussi un déclassement, si j'ose dire, et c'est un peu l'histoire de ce ministère lorsqu'on voit un peu les prémices de ses premiers, on va dire, pas depuis les années 90, etc., comment il a réapparu, il a disparu, il a réapparu, il a di et disparu. Mais depuis 2007, on a un ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger avec Mohamed Ahmed. Puis, avec Anis Bello, on lui a ajouté aussi les affaires de la migration. Donc, certains collègues, ils appellent les trois institutions le shampoing à trois formules qui ne marchent pas. Après, il ne faut pas tout jeter et dire, au contraire, toutes ces institutions, chacun avec le rôle qui lui est dédié, parce que les gens aussi, il faut qu'ils comprennent l'institution, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses axes de travail et c'est quoi sa marge de manœuvre aussi. Faut pas non plus, donc il faut voir les statuts. À C'est pas fait. pour, je suis pas, je les défends pas. Moi, je fais pas partie d'aucune de ces institutions, mais il faut aussi être réaliste et logique. Après, il y a aussi la question de la capitalisation, parce que lorsqu'on voit le Maroc, il fait partie de l'un des premiers pays à mettre en place plusieurs programmes pour mobiliser les Marocains résidant à l'étranger, pour les encourager à contribuer au développement de leur pays d'origine. Mais parfois, un, on ne fait pas des moments d'évaluation de ces programmes pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. On ne fait pas des moments de capitalisation pour d'autres projets. Et puis surtout, moi, lorsque je faisais mes enquêtes, notamment en master, et en thèse, lorsque je parle par exemple avec la personne en face de moi, j'ai dit, qui est intéressée par exemple par entreprendre au Maroc, et j'ai dit, bah, en fait, il y a un fonds qui s'appelle MDM Invest avec des critères. Si on apporte une telle somme d'argent, on peut contribuer. Il y a plusieurs, mais ils savent même pas, ils sont même pas au courant de tout ça. Là, la région, la 13e région par exemple de la CGEM, l'idée, elle est extraordinaire, elle est géniale, etc. Mais beaucoup de Marocains ne sont pas au courant de ces projets. Et puis, même ceux qui partent en fait pour investir, par exemple, au Maroc, ils n'ont pas forcément besoin de passer par ces outils-là, parce que c'est des entrepreneurs. Et la première chose d'un entrepreneur, enfin, premier but, c'est aussi un projet rationnel, il cherche du profit. On a beau dire oui, il y a
la relation affective, l'indéfectible attachement, d'accord, ça existe, mais il peut investir aussi bien au Maroc qu'en Espagne ou en France ou ailleurs. Donc, c'est surtout l'écosystème, en fait, marocain. C'est ça qui pèse aussi sur cette question de retour ou pas retour. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en ce qui concerne les personnes que j'ai rencontrées. Ce sont des gens qui accordent beaucoup d'importance à leur carrière, beaucoup d'importance aussi à leur épanouissement personnel, à leur liberté individuelle. Et il faut savoir que 50% de l'immigration internationale marocaine est féminine. Donc, donc Sangolo, marocaines et les Marocains résidant à l'étranger. Donc, voilà ce que je pense. Je veux revenir sur le point, tu as parlé de ces étudiants, parce que en majorité, ton cas par exemple, ton cas c'est Hicham, beaucoup d'étudiants qui sont partis, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc., pour se former. Et il y en a beaucoup qui sont restés dans le pays d'accueil. Alors, pourquoi certains reviennent et d'autres restent? Est-ce que, éventuellement, pour mieux les impliquer, si on prend le cas de la Chine, de Philippines, de l'Inde et des pays latino-américains, y a pas quelque chose de. Est-ce qu'on ne leur a pas donné les moyens, on les a pas accompagnés suffisamment ou tout simplement payé leurs études éventuellement pour les faire rentrer? Est-ce qu'il y avait pas d'objectif, une ligne de mire pour que ces étudiants puissent revenir dans le pays? Peut-être c'est ça. Merci. Moi, dans mon travail, je suis parti pour déconstruire justement cette question de la fuite des cerveaux. Pour dire que, certes, il y a des départs, certes, il y a des Marocains qui partent tous les ans, etc. Mais il y a aussi des retours dont on ne parle pas beaucoup. Parfois des retours réussis et parfois des retours qui ont débouché sur une réémigration, un redépart, on va dire. Exact. Alors, qu'est-ce qui pousse les... Il faut savoir aussi, parce qu'il faut parler aussi avec les chiffres, il y a à peu près 1 million d'étudiants marocains qui poursuivent leurs études aujourd'hui au niveau supérieur, moral bac. Il n'y a que 5%, ça veut dire 50 000, 5% qui partent à l'étranger, en grande partie en France. Pour dire que cette mobilité pour études depuis le Maroc, c'est une mobilité très sélective socialement, parce qu'il faut aussi avoir les moyens pour partir, très sélective aussi par rapport aux filières et aux options. Les Marocains, ils sont les premiers dans les écoles d'ingénieurs en France, les deuxièmes dans les écoles de commerce, et puis la première communauté au niveau de l'université. Mais en tout cas, pour le cas de la France que je connais, il y a 40 000 étudiants marocains. Je parle en stock, 40 000 en stock. Mais en flux, c'est moi. Et là, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui avec tout la démarche de demande, les visas qui sont refusés et tous les frais que les étudiants marocains. C'est pour ça que je disais aussi, c'est une migration sélective parce qu'il faut payer des frais de Campus France, il faut payer Exact. des frais de tests de connaissance de la langue française, il faut payer TLS Contact. Et puis, en arrivant ici, il faut payer les frais de scolarité beaucoup plus supérieurs que les étudiants européens. Depuis 2019, le Conseil d'État a accordé la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers avec le plan ou la mesure Bienvenue en France. Pourquoi ils partent? J'essaie d'être bref. Parce que ils partent parce qu'il y a certaines options qui sont peu ou inexistantes au Maroc. Ouahed Barideh, architecture navale, pour le Maroc, encore aujourd'hui, ce n'est pas encore assez développé. Et parce qu'il y a toujours l'idée d'y aller, le diplôme étranger, c'est un diplôme valorisant et valorisé, et ça serait un moyen pour un meilleur retour après. Mais après, pour quelqu'un qui vient en France à l'âge de 18 ans, juste après son baccalauréat, il commence sa première expérience professionnelle ici. Donc, il est habitué à un cadre professionnel, à une culture d'entreprise ici. Et parfois, lorsqu'il fait ses retours au Maroc, ou ce que j'appelle les retours visites pendant les vacances, il demande aussi à ses collègues comment ça se passe ici, le cadre du travail, les relations professionnelles, les plans de carrière, etc. Donc, parfois, ils ont du mal aussi à retourner parce qu'ils ont peur aussi, il y a un certain décalage. Et puis, certains qui sont, tout à l'heure, je donnais l'exemple de quelqu'un qui fait des études d'architecture navale, Ah quelqu'un ben. qui
diplômés en architecture navale ou dans des métiers vraiment pointus, parfois il ne trouvera jamais du travail au Maroc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup aussi de Marocaines et Marocains qui choisissent de retourner au Maroc. Et je les ai rencontrés d'ailleurs à plein de moments dans les job dating, ces forums de recrutement organisés par des associations marocaines professionnelles, notamment Exact. comme la MGE Caravane, Khalil El Morocco, Maroc Entrepreneur. Maroc entrepreneur. Et là, en assistant à ça, j'étais frappé par le nombre de jeunes diplômés ou des Tout à gens qui fait. sont en début de carrière ou des gens qui ont plusieurs années de carrière et qui sont intéressés pour retourner travailler au Maroc, soit dans des entreprises nationales, l'ECP, Tijari Wafa Bank, ou dans des entreprises multinationales basées au Maroc. Et d'ailleurs, je le voyais, c'était des moments d'ethnographie, il n'y avait pas que les Marocains, il y avait aussi même des Français ou des étrangers qui sont Africains aussi, intéressés, beaucoup des Africains d'Africains, qui sont intéressés par des plans de carrière au Maroc. très bien. Aussi, mais parce qu'il y a aussi plein de problématiques, hein, parce que c'est des migrants comme les autres, même si on parle des hautement qualifiés, parce que là, on parle des médecins qui fuient le Maroc, mais jamais on dit quelles sont les conditions des médecins, par exemple, marocains, lorsqu'ils viennent ici en France, dans quelles conditions ils travaillent, la reconnaissance de leur diplôme, l'inscription à l'ordre des médecins, toute la question de déqualification et de déclassement professionnel, personne n'en parle. Alors, dans ce cas, c'est bien, tu as parlé de cet exode de cerveau qui constitue 5%, ceux qui ont choisi de rester dans le pays de résidence. On sait qu'on est dans une guerre des cerveaux mondiales, une guerre de la captation, de la connaissance. Alors, comment. Le gain des cerveaux. Si tu as parlé, quand tu as cité la caravane de CGEM, ce que fait aussi Maroc Entrepreneur que je salue d'ici, il y a beaucoup de Marocains, de diaspora, de profils hautement qualifiés, de compétences, qui ont conservé un lien fort avec le pays d'origine et qui veulent tout simplement s'impliquer, s'engager, notamment dans les moments soit de crise et aussi apporter leur expertise pour participer au développement. Entre parenthèses du Maroc, comment mobiliser les diasporas et aussi comment valoriser les compétences et quel outil pour créer recréer le pacte de confiance pour que ces têtes, ces compétences puissent retourner tranquillement au Maroc. Est-ce qu'il y a quelque chose Bah qui manque? déjà, il faut parler plus de circulation, en fait. Parce Oui, que oui. au début, il y avait les théories de fuite des cerveaux, exode des compétences, brain drain. Après, il y a eu des développements théoriques, on va dire, et conceptuels. On a inventé une autre notion de brain gain, comment le Voilà, transformer je retourne. la Très perte bien, en retour. gain. Mais après, il y a une autre, on va dire, alternative, parce que pour le brain gain, ça veut dire le gain, on voulait Oui. que ces personnes retournent. Mais je pense retourner, il faut, par exemple, si l'Inde a réussi à transformer ça, c'est parce que, par exemple, à transformer la région de Bangalore en Bangalore, comme la Silicon Valley aux États-Unis, ils ont réussi à ça, parce que le pays aussi était dans cette mouvance-là. C'est la Corée du Sud a réussi de mobiliser sa diaspora scientifique et technique, c'est parce que le pays aussi, cette évolution économique. Mais après, au niveau théorique, hein, je parle, il y a eu l'option diaspora. C'est quoi l'option diaspora? Ça veut dire mobiliser ces Marocains résidant à l'étranger hautement Oui. qualifiés sans forcément qu'ils retournent définitivement au Maroc, Voilà. mais de retourner de manière ponctuelle, sous forme de mission, de collaboration avec des chercheurs, des entrepreneurs, venir par. Et le problème, c'est que, ce n'est pas le problème, je ne sais pas comment le définir, c'est qu'il existe un programme qui facilite ça. Quel est le programme CNRST? Smithio Fincom, plus Oui. spécialisé pour les chercheurs, ou les responsables là le projet qui dit que au début de l'année, yalla 51 ou 60 un qui قدرنا mobiliser eux dans le projet. Donc, Et donc, il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas là. pour moi, c'est aussi question de communication, Voilà. question aussi d'elle. Chnouma dès que le procédure pour répondre l'appel ou est-ce Fincom les cadres. Maintenant, la recherche, il ne faut pas d'autres outils.
Parce que wesh, un seul programme, il peut mobiliser donc les 17 000 ou les 20 000. Donc, et puis, quels sont les moyens donnés à ce genre de programme? C'est quoi? On n'a pas fait vraiment d'évaluation. Le programme, il existe depuis 2009. On est d'abord en 2022, mais on n'a pas fait de résultats, on n'a pas fait le résultat, ce sont les choses qu'ils ont faites, ce sont les choses qu'ils n'ont pas faites. Donc, le Maroc, il connaît ces outils-là. Il connaît ces outils-là. Il sait ce qui a marché chez les uns et chez les autres. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, ben justement, il faut plus, on va dire, de volonté concrète, parce que la connaissance, on l'a au Maroc. Il n'est Est-ce que pas oui, achevé, ou alors il faut encore donner des moyens pour connaître les caractères. C'est très large. C'est très large. Lorsqu'on parle des compétences, donc là, il faut savoir quels sont déjà les secteurs ciblés. C'est ce qu'il dit d'ailleurs le rapport, dit le modèle, le nouveau nouveau modèle. modèle de développement, oui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire de la cartographie, Des l'écosystème, compétences. il peut effectivement y contribuer. Oui. Et pourquoi tu as parlé d'écosystème et de cette carte on va dire, de compétences, parce qu'on voit, parce qu'on connaît maintenant les compétences marocaines médicales, il y a aussi les compétences marocaines au niveau il y a les avocats, il y a les investissements. Mais est-ce que ces outils, par exemple, au niveau des ambassades, du consulat, parce que aussi, je pense que ils doivent faciliter ça, ils doivent se déplacer davantage, mieux communiquer à travers d'outils simples, je ne sais pas, via Moi, pour les... être sincère, il y a Oui. plein d'événements. Moi, c'est justement, c'est la politique événementielle. Les qa'at, on dirait des webinaires, on dirait des séminaires, des colloques, on dirait des pauses café ou des chikamel. Mais il n'y a jamais de papier, de contribution, des recommandations, des trucs concrètement, quoi. Mais c'est Hicham, je te parle. Alors, moi, je te donne l'exemple de notre collectif, le Cadre Oriental. Ça fait plus de 10 ans qu'on organise pratiquement chaque année un événement au Maroc, c'est-à-dire un événement. Et tu te déplaces avec des compétences, avec de partout du monde, et des fois à nos frais. Et tu ramènes un truc, un plateau en or à des responsables de région, mais des fois, ils ne sont même pas présents. Mais On a des... Et on ne ils sont même sont pas pas... sensibles. Mais ils Ils sont sont... pas sensibles déjà. Mais c'est même les de l'acteur local, politique, etc. Il connaît même pas la thématique. C'est quoi l'immigration? Déjà, il faut connaître le sujet. L'immigration, chacun. En plus, chaque région a ses spécificités. Et on va dire, chaque région avec ses élus locaux, etc., a ses priorités aussi. Dans certaines régions, ce n'est pas la Fait. thématique d'immigration Non, je qu'ils parle pas de la reviennent. migration. Non, je parle par exemple, quand on dit là, on a dit récemment, alors le discours du souverain, il n'a pas été adressé aux Marocains du monde. Il a été Bien adressé sûr. aux institutions, on est d'accord, aux Bien sûr. institutions. Il a dit, bah, écoutez, certes, le Maroc a besoin de ces compétences, de ces Marocains, qu'ils soient au Maroc ou à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ces Marocains du monde? Est-ce qu'on leur a donné les moyens? Est-ce qu'on les a accompagnés? Il y a une mec qui fiche un des institutions qui est menée à le Khattab Malaki. Au contraire, c'est-à-dire je combats absolument pas. Mais le Maroc, je pense, il a besoin de cette conjugaison d'efforts des Marocains et du monde. Et selon les priorités de cette région, de telle ou telle région, l'investissement, par exemple, pour l'oriental, l'agriculture pour tel, etc. Mais il faut, parce que Voilà. non, ça vous dit voir, cartographier les compétences et puis après communiquer et venir envers eux. Je En salue permanence. en permanence. Sa majesté, enfin, on connaît ces situations. Tout à fait. Très bien. Alors, maintenant, ma question, c'est Hicham, où la diaspora, parce qu'en fait, tiens, on va revenir sur à de la terminologie, on a on appelait, on a dit les TMRE, les MRE, la diaspora,
on n'a pas les Marocains du monde, les citoyens du monde, etc. La diaspora, où est-ce qu'elle peut, c'est-à-dire, peut-elle jouer tout d'abord un rôle fait le développement et comment? Quels sont, c'est-à-dire, quelle est sa force? Qu'est-ce qu'elle peut apporter, bien sûr, que ce soit au rayonnement du Maroc, au développement du Maroc? Pour vous dire, c'est Abdel Khalq, moi, dans mes travaux, on va dire scientifiques, dans mes articles, je ne mobilise pas la notion de diaspora. Ou bien si je la mobilise pour un peu alléger, on va dire, la lecture, je le mets entre guillemets. D'ailleurs, il y a un numéro spécial d'une revue trop connue, pardon, du musée de l'histoire et de la mémoire des migrations, ça s'appelle Homme Immigration. Il y a Oui. un numéro spécial qui est téléchargeable gratuitement de 2013. Et c'était Rachid Alaoui, qui est un grand militant aussi, acteur associatif. Et justement, il parle de est-ce qu'on peut parler d'une diaspora marocaine? Parce qu'en fait, il y a des critères, on va dire, méthodologiques, théoriques, pour définir c'est quoi la diaspora. Là, j'ai le mot, les journaux politiques, etc. Parce qu'à partir des années 80, toutes les organisations internationales, le modèle développementaliste, ils se sont appropriés avec la notion. Avant, on parlait que de la diaspora juive et la diaspora arménienne. Et là, quand on dit juif et arménienne, la définition de la diaspora, donc il y a la dispersion, chetet, il y a le lien solide avec le pays d'origine, le besoin du retour, mais il y a la raison de le départ, un trauma, des raisons politiques et climatiques, etc. Ou, la majorité de l'immigration, c'est une migration de travail. Voilà. Donc, il y a des critères. Effectivement, la dispersion fait plus de 100 pays partout dans le monde. Certes. Dans certaines régions, il y a des connexions, mais dans d'autres, il n'y a pas de connexion. Et puis, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'une communauté marocaine transnationale qui est attachée via des allers-retours entre son pays d'origine. L'oriental, la diaspora, entre guillemets, l'oriental, mais il y a une connexion avec la diaspora de Sousse. C'est pour ça, parfois, les expertises de la région de Sousse, qui est l'oriental, par exemple, les caractéristiques de la diaspora angolo, la diaspora, entre guillemets, d'Al-Fqih Ben Saleh. Ils sont plus concentrés au dial Khouribga, Bniblal, ils sont plus en Italie, au Chinas dial l'Italie, Mathialen, une connexion, mais Annas dial les pays de Golfe, par exemple. Donc, pour le moment, moi, je ne mobilise pas la notion de diaspora, je l'utilise vraiment pour alléger la lecture ou la compréhension. Très bien. C'est-à-dire, alors, quand il n'y a pas de connexion, c'est vrai, nous, bon, on communique avec, surtout dans la région parisienne, avec, je salue toutes les associations des Marocains du monde, aussi tout le Maroc, que ce soit Msousmassa, que ce soit Tanja, Mourad Bessé. Des fois, c'est vrai, il n'y a pas un travail, on va dire, collaboratif. Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce que c'est à nous, diaspora, c'est-à-dire de chercher cette connexion, ou bien il faut qu'il y ait quand même des outils d'accompagnement de la part de l'État pour éventuellement arriver à cette connexion de laquelle. Comme tu as dit, C'est une recommandation à Abdel Khalq. C'est une voilà. recommandation. D'accord. Le rapport du nouveau modèle de développement, créer une agence culturelle. Pour faire vraiment une vraie force de frappe, ça veut dire dans le bon sens du terme, pour mieux canaliser, savoir où on doit orienter ces gens-là, où finir de etc. Très bien. Tu as parlé des Marocains du monde, parce que la diaspora, qui représente 15% de la population marocaine. Et maintenant, c'est plus, on peut dire jusqu'à 16%, parce qu'elle est plus de 5 millions, voire 6 millions. Ceci dit que la migration des Marocains, c'est parmi, d'après des recherches, la population migrante à l'échelle internationale qui est surreprésentée.
parce qu'elle représente à peu près 2,5 de la population migrante mondiale, alors que la population marocaine ne représente que 0,5 de la population mondiale. Et comment faut-il interpréter cela? C'est vrai, c'est un immense potentiel, c'est une grande richesse pour et une promesse pour le pays. Je pense, tu l'as dit, c'est le rôle qu'elle peut jouer, premièrement, tu l'as souligné, tu as parlé de l'expertise. Il y a un bon nombre de Marocains du monde, ils ont une expertise, ils possèdent ou la reconnaissance voilà, nationale, internationale. Le domaine de l'activité, le soit la culture, soit le sport, on l'a vu, et d'ailleurs l'exemple de l'équipe nationale que tu as cité, ou donc, l'expertise, elle peut être très utile pour le Maroc. Il y a aussi la collaboration internationale. هنا مزيان اللي حليت لي هذا الباب، بحيث ملي كنهضروا عليها راه شفت ان كومونتير راه قلناها من الاول، ان ملي كنقولوا لي كومبيتونس راه ماشي غير لي كادر والناس اللي عندهم باك بلس 5 للفوق، الكومبيتونس راه من الحرفي، من الفنان، من التشكيلي، من الاستاذ، من المعلم، من الحقوقي، تو سا سي دي كومبيتونس. Donc, et d'ailleurs, dans la définition, Ragoutia Gbila, c'est ce qu'il faut inclure. ولكن, moi, ce que je veux ajouter aussi, c'est que dans cette réflexion sur la mobilisation des compétences, alors il faut savoir que le Maroc aujourd'hui, il forme des compétences, notamment tous ces étudiants qui viennent de l'Afrique subsaharienne et qui étudient au Maroc. Bah, donc eux aussi, il faut les capitaliser, il faut les insérer. Tout à fait, Il tout à faut les fait. insérer. Le nombre de médecins qu'on forme au Maroc, qui sont de plusieurs pays voisins et frères, etc. Donc, il faut aussi intégrer dans notre approche donc les étudiants étrangers qu'on forme au Maroc dans notre réflexion sur la mobilisation des compétences. Et puis, l'autre chose, c'est que lorsqu'on veut faire des politiques qui visent une population, ben, ce qui est normal, c'est d'impliquer avec la population l'élaboration et la fabrication de la politique qui la concerne. Oui, tout à Donc, fait. ma radish nimchiou nchoufou un bureau d'études européen kda kda on le chez marché on nous a un benchmark là la mobilité des compétences kda kda ou des recommandations copier-coller d'un un autre pays etc. Non, au Maroc on a plusieurs chercheurs confirmés que ce soit au Maroc dans les universités min Oujda min Meknès من تطوان من كازا ولي نسيتو يسمح لي مراكش اكادير كي سون سبيسياليزي دي جون اوسي كي سون سبيسياليزي يا دي بروبليم دو دونكادرومون اكسيتيرا كون بو با نيي حيت سي لا ريغل دون تو ماشي غير في ولكن كون دون بلوس دو مويان بور فير بلوس دو ريشيرش بور كونيتر ميو لو سوجي اي هاد لي ديسيدور بوليتيك كي ميت دو طون زون طون يشوفو فينا ويقراو داكشي اللي كنديرو ما تعرفش Alors, juste un mot par rapport à ceux qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, soit sur qui sont avec nous. Bien sûr, il y aura un temps d'échange, merci Hichem, qu'on remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux à poser vos questions à notre intervenant pour enrichir le débat. Et aussi, ceux qui sont présents là, n'hésitez pas aussi, il y a il y a le chat. Et bien sûr, il aura tout le plaisir d'éclairer et aussi de répondre à vos questions. Donc, tu as parlé de l'expertise, de la collaboration internationale, le networking, parce que quand même, c'est une diaspora qui dispose d'un réseau de partenaires énorme, très, très large. Et c'est bien aussi pour de prendre ce potentiel en considération. Il y a aussi la promotion. Tu as parlé aussi de cette agence culturelle, la promotion, parce que cette diaspora, quand même, ce sont des ambassadeurs permanents du savoir-faire du pays et bien sûr sur l'investissement. Tout à l'heure, quand tu répondais à une question, tu disais que il faut souligner qu'il y a quand même quand même, il y a beaucoup de Marocains du monde qui ne souhaitent pas de rentrer au Maroc, mais qui leur objectif, c'est pas de rentrer au Maroc,
mais qui serait très très utile aussi pour le Maroc. C'est-à-dire, il faut, comme il a souligné le nouveau modèle de développement, il faut accompagner cette diaspora pour lui permettre d'investir au Maroc tout en restant active et intégrée dans le pays. De la mobilité. En fait, il faut parler de la circulation et de la mobilité. Ça veut Oui, c'est dire, ça. parce que la personne, ses enfants, ils sont nés ici, ils sont à l'école ici. Donc, il ne faut pas s'intéresser que là, avec l'entrepreneur individuellement. Donc, c'est normal. C'est un choix qui n'est pas toujours facile à faire. Le C'est vrai. retour, c'est une question jamais inachevée. Tous les travaux de Abdelmalek Sayad sur le mythe de retour, que finalement, il se retrouve dans la spirale. Donc, ça concerne tous les migrants, quoi. Donc, oui, plutôt favoriser ça, favoriser cette circulation, que les gens puissent venir investir dans leur pays d'origine et dans des bonnes conditions. Par exemple, des expériences des gens qui voulaient faire des projets d'investissement, mais malheureusement, ils étaient confrontés à des tracasseries administratives, à des questions de corruption, à des questions de. Parfois même de manque de main-d'œuvre, on va dire, entre guillemets, ou de collaborateurs plus formés, etc. Donc, il y a un manque. Donc, il faut bien cibler aussi les compétences. Parce que moi, à mon avis, hein, les Marocains, là, ils contribuent. Mais si le gouvernement, les projets de l'homme, le problème d'Intera. Ce qu'il faut, c'est juste vraiment faciliter la tâche, en fait. Les ouah d'imchi le centre régional d'investissement, mais si ouah kessef ou si j'ai bhad l'ouarqa, ou si j'ai bhad l'hayat, ou isnil kenaya. Non, il faut vraiment parce que il vient avec une idée qui peut intéresser, qui peut créer de la richesse, qui peut créer des postes du travail, Et plutôt voir que d'utiliser la le. faisabilité, oui, bien sûr, de très bien. Ou les statistiques, on ne sait pas si on a fait de l'entrepreneuriat migrant dans le pays d'origine, mais quand tu vas à l'édition, tu leur dis qu'ils sont les Maghrébins qui sont venus de l'extérieur, qui disent que nous n'avons pas les statistiques, nous sommes tous des Maghrébins, comme ça. Mais comme ça, la donnée est bien pour que les gens voient quelles sont les choses qui les ont fait venir. Il faut faire aussi du marketing territorial. تبين الناس اللي نجحوا حيت راه كاينين بزاف اللي دخل ومن بعد رجع قال لي اش داني انا كاع من هذا الشيء دونك il faut Exact. pas oublier ça aussi que ça Ouais. soit pour l'entrepreneuriat ou même pour travailler hein. Moi j'ai rencontré aussi des gens qui ont essayé de retourner au Maroc pour y travailler où ils n'étaient pas satisfaits ni de leur travail et de la façon dans laquelle ils évoluent ni le plan de carrière, mais aussi une fois lorsqu'il rentre de son bureau, ma ndouch fini mchi, ma ndouch fini idée, ou la gadi ma bnitcho sghira, ou ldo kaytchka, bntou tbessel aliha hada, transport ma jash, katmchi l'idara hada kaygoul lek sir tal l'achia, ma kayinch, ma jash, etc. Donc, bhet Voilà. mli katoulef, lorsque tu prends l'habitude à certains trucs, tu as du mal. Lorsque tu vois ici que le métro arrive dans 2 minutes, il arrive dans 2 minutes. Dans 2 minutes, Je pas donne une. juste l'exemple, ce n'est pas non plus pour dire que tout est rose ici. Hein. Il ne faut pas oublier que Non, 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 non. les Marocains hautement qualifiés, là, ils subissent aussi des discriminations dans leur travail. Je parle notamment, tout ça, je l'ai abordé dans ma thèse, que je souhaite publier d'ailleurs, toutes les questions de plafond de verre, les problématiques de changement de statut, passer du statut étudiant, les statuts d'IAL salarié ou la passeport talent, les questions d'IAL le racisme, d'IAL le discrimination. Tout ça, hein, ce n'est pas pour dire là, Zwin où tout est rose. Hein. C'est pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Hicham. Écoute, avant de donner, d'ouvrir le débat avec la présence, moi, je l'avais dit dans un webinaire il y a 2 ans de cela, etc. Moi, je donne mon exemple. C'était en 90 quand je suis arrivé à la Sorbonne. Et puis après, à l'époque, j'avais que le récépissé. C'était marqué que interdiction d'exercer toute activité professionnelle. Et comme on était à Gay-Lussac, Paris 4, bon, il y avait une offre d'emploi pour être enseignant en matière. Bon, je suis prof d'espagnol et j'ai postulé. Et puis après, tu as le proviseur adjoint qui m'a pris, il m'a donné un entretien, qui m'a pris de suite. Il m'a dit, je vous prends de suite, je vous engage. Et je rigolais. Il m'a dit, monsieur Assini, pourquoi vous rigolez?
Il dit, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit. Je lui montre mon récépissé. Tu sais, après 2 ans, pardon, 3 mois ici en France, même pas 2 mois. Et je lui dis, c'est marqué noir sur blanc, j'ai pas le ولا droit de. جينا ولا جينا نشكيو زعما ونقولوا موا جي كيتي الماروك باسكو ils m'ont j'avais normalement avec la bourse d'excellence Tout ils à doivent aller fait. عطاوها لواحد اخر. Exact. Non, mais quand je te dis, alors regarde sa réponse, c'était quoi? Tu sais ce qu'il m'a dit? Et c'est là que Mathilde m'a dit, mais monsieur Assini, lui aussi, c'est un Africain, m'a dit, retenez quelque chose. M'a dit, vous savez quoi? La France, quand elle a besoin de vous, elle en invente toutes les lois. Le Bien jour où elle sûr. n'en aura plus besoin, elle en inventera d'autres. Et c'est vrai, tout n'est pas rose, mais pour Bien donner sûr. les paroles, toutes ces compétences. Moi, je pense que tout, c'est marocain, du moins. Alors, regarde le temps de ce webinaire. Ça fait 2 ans aussi qu'on fait ça, et beaucoup, beaucoup de partout. Là, on parle de la France, du monde entier. Moi, je dirais que le pays, le pays d'origine, c'est pour le pays, c'est pour cette expertise, et aussi les moments difficiles qu'on a vécu quand on a fait des études, etc. Si on peut apporter cette expertise acquise, mais gratuitement, des fois, on ne fait que du bénévolat. Et après, plus tard, on enverra d'autres webinaires. Est-ce que tous ces Marocains du monde doivent faire du bénévolat? Non. Et alors, qu'il y a de la richesse. Quand tu parles avec des partenaires avec qui on a fait des colloques, ils disent, on a de l'argent, on a de l'argent. Mais c'est la mauvaise gestion. Et puis après, des fois, quand tu vas là-bas, la première des choses qu'on dit, ben écoute, et c'est quoi ces Marocains du monde? Alors, ils viennent, ce sont des donneurs de leçons. Mais non, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Parce que ce qu'on fait là, c'est du bénévolat. On le fait au détriment de notre temps, de notre boulot et de passage de notre famille. Je te remercie infiniment, c'est Hicham. Alors, on ouvre les débats. S'il y a des questions, levez la main et n'hésitez pas, marhaba bikoum, à poser des questions à notre Hicham, ici présent, qui a eu la gentillesse quand même de nous faire de partager avec nous sa recherche, et son savoir-faire et son expertise dans ce domaine de la migration. Hicham, qui est docteur en sociologie du Conservatoire national des arts et métiers, CNAM Paris, et aussi un post-doctorant à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, au sein de l'Université d'Aix-Marseille. C'est un spécialiste, je l'avais dit, des migrations internationales marocaines. En herbe, spécialiste en herbe. Alors, allez-y, à vous la parole, le temps que je regarde aussi sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait une. Tout à l'heure, docteur Hasna, madame, docteur Hasna, elle a dit, il faut pas oublier les compétences artisanales et artistiques. Et madame Zahiri, marhaban. Alors, c'est Hicham, madame Lala Souad. Alors, Lala Souad, c'est. Tout à l'heure, tu as parlé de compétences marocaines féminines. Maintenant, c'est plus de 50%. Souad Zahiri, c'est ex-consul du consulat du Royaume du Maroc à Colombes, et retraité à la retraite, mais quand même avec un savoir-faire énorme. Et là, c'est Hicham, il faudra aussi penser à ses expertises, parce que les retraités, c'est un trésor. Comment l'État doit profiter de cette expertise pour pouvoir d'ailleurs l'utiliser dans le pays de résidence, accompagner par exemple les diplomates et aussi apporter son savoir-faire, parce qu'il y a un accompagnement de la diaspora quand on parle de consulat, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ça va du social au sportif au l'investissement. Oui, Alain Ossalin, c'est Hassini, tbarakallah alik. On est Merci. fiers de toi, toujours avec un sujet aussi instructif que le précédent. Ça fait plaisir. Mais là, vous êtes au vif du sujet avec Si Hicham. Tbarakallah, Si Hicham, ça fait plaisir de voir des jeunes de ce calibre. Il a entouré la question de migration, il l'a rajouté international. C'est une belle appellation, migration internationale. International. C'est vrai, elle ne peut être qu'internationale. Et là,
Il a touché par le doigt plusieurs questions. C'est vrai que qu'une compétence, ce n'est pas l'ingénieur, ce n'est pas le médecin, c'est toute personne qui a une qualification et qui peut aider à faire quelque chose. Donc, tout le monde, un électricien, un chauffeur, est une compétence, chacun dans son domaine. Ça, c'est une vraie définition du mot. Et maintenant, comme il a dit, il faudrait cibler le besoin. Où est le besoin? Et le Maroc a besoin de quelle catégorie de compétences? Parce que là, le Maroc aussi forme d'année en année des cadres, de hauts cadres, des cadres moyens, et toutes les formations se trouvent au Maroc, hein. Sûr. C'est vrai que certains investisseurs partent d'ici parce qu'il y a des cadres au Maroc pour exploiter nos cadres marocains. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas le manque. Là, la question que je poserai à Sihichane pour ne pas trop partir, quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Je préfère donner la question tout de suite. Sihichane, je voudrais savoir comment vous concevez la restructuration de ces institutions chargées des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. La question est là. Est-ce qu'il faudrait les fusionner, ne garder qu'une seule institution, par exemple l'agence culturelle dont a parlé le modèle de développement? Faut-il garder chaque institution en aparté avec des attributions bien définies? Ou comment vous concevez cette restructuration? C'est une question piège, mais bon, je Merci. vais dire. Moi, je pense qu'ils ne vont pas disparaître hein, parce que la fondation Hassan II est créée par Daher Maliki. Et je pense que c'est Amir Al-Amriem, je pense, qui est à sa tête. Le CCME, donc, dans le discours royal, là, il disait qu'il fallait juste le consolider davantage, ce qu'il dit aussi le rapport de la nouvelle, de la commission, de le nouveau modèle de développement. Un ministère, je pense qu'on en a besoin, le ministère des Affaires étrangères a d'autres fronts, on va dire, les causes nationales du Maghreb. Donc, comment on va les restructurer? Déjà, le CCME, mais il n'y a pas une loi. Mais il n'y a pas la loi. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va dire? Je pense que c'est vraiment en cours. D'après les échos que j'ai du Maroc, c'est vraiment les choses ils commencent à bouger. Moi, je pense qu'il faut capitaliser à des institutions, au contraire, pas forcément les fusionner, mais vraiment les capitaliser sur chacun. Pour la Fondation Hassan II, les plusieurs, on va dire, ses objectifs plus principaux, machine à investissement, il y a les quatre. Les quatre, mais là, la transmission de la langue, amazigh ou arabe, coup le rapport. Ou là, la promotion culturelle, il y a le Maroc, ou les liens culturels, notamment, mais là, mais les Marocains résidant à l'étranger. CCME, d'or dialogue ouest-tichéri, où on a des questions, notamment la participation politique des Marocains résidant à l'étranger. Le ministère, il a plusieurs programmes. Ou qui fait la restructuration, dialogue. Les institutions. C'est quoi leur degré de connaissance le phénomène migratoire? C'est dynamique. L'aspect féminin, la question les retraités, les Marocains résidents à l'étranger. هادشي اللي كنقول وشنو هما البرامج اللي كل واحد حيت كلشي عندهم دي بروجي بارفوا لي بوليتيك سا شوفوش دونك خص تكون عندهم اون فيزيون كلير كل واحد ها علاش غادي يخدم جو بونس ومن بعد داك الشيء واش غنكذب عليك انا راه غير طالب انا غير كنحصل كنقول لهم انا راه غير طالب غير كنمشي كنشوف وكندير لاناليز مي جو بونس بلوتو يفو كابيتاليزي تو لي بروغرام دو سيز انستيتيوشن كي اون كوميم سا في 30 ans. Fondation Hassan II a été créée au début des années 90, quand même. CCME depuis 2007. Le ministère, qu'a un ministère dédié depuis 2007. Mais quand nous avons les ministères, on aurait des secrétariats d'État. Il y a quand même plein de programmes. Certains, ils ont marché, d'autres, on n'entend plus parler.
دونك اون فافوار كومون او يفون ديسيدي. المهم حنا ولا محتاجيننا حنا معاهم نفكروا معاهم وناقشوا معاهم. Très bien. Et tu as parlé. Merci en tout cas, Madame Zahiri, pour l'intervention. Voilà. Merci à toi, si Hicham. Avant de donner la parole à si Aziz, ensuite à Mustapha Arguic, tu as parlé de capitalisation, tu as parlé aussi de l'évaluation, parce qu'au bout de 30 ans, je pense qu'on manque à l'évaluation. Si Aziz. ومن بعد سي مصطفى تفضل سي عزيز. شكرا سي عبد الخالق، شكرا لضيفك الكريم سي هشام اللي في حق متعنا في هذا اللقاء، واخا انا في حق كنعاتب على حاجه بسيطه وهو انه قال لك انا مجرد طالب، ولكن بهذا الكفاءه اللي شفنا وهذه القدرات اللي شفناها تواضع داكشي اللي كيبان لي بارك الله عليك ربي يحفظك، وشكرا سي عبد الخالق على اختيار المواضيع. ان شاء الله هذه البدايه موفقه، الحصه الماضيه طبيه وهذا الان دابا كنهضروا على الفكره ديال المهجر والكفاءات والقدرات ديال اولاد المغرب كما كنقولوا دائما. انا النقطه اللي بغيت نشير لها وبغيت نتمنى انها تكون يعني كمحور مرة أخرى إن شاء الله، وهي أننا كنبنيو المغرب، والمغرب الحمد لله غادي في واحد الاتجاه صحيح بالقدرات والكفاءات اللي عنده وبالتعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله، ولكن الإشكال المطروح هو أننا كنقذوا لي زيتاب، بمعنى أننا كنبنيو السفلي كنطلع مباشرة للكاتريام وما بين دوزام وتروازام ما كاين لي زيسكالي. يعني هذه الفكره اللي بغيت نشير لها، وهي ان راه كان شهر لها السي هشام قبيله قال لك هاد المغاربه اللي غادي يجيو والكفاءات اللي غادي يجيو شنو كينتظرهم، مع انهم ولفوا واحد القواعد ليه واحد الثقافه واحد كما قال قبيله مترو كيجي بجوج دقائق ثانيات جوج دقائق يجي ورا الطار يقدر يحاسبوه، هنايا يقدر يقعد نهار كامل وما كانش كيهضر معاه وحتى الغدا والناس في الشتا كيتسناو الطوبيس ولا يتسناو المترو. يعني كاين شي حوايج خصنا نديروا عليهم اليد ونعرفوا باللي هاد المغاربه هاد العالم اللي غادي النداء الملكي كيدعيهم باش يجيو بالكفاءات، ما كنقول كفاءات كما قالوا الجميع وكنت متفقين الكفاءات ماشي ضروري تكون شواهد عليا، يقدر يكون صباغ انا اعتبره كفاءه لان عنده تجربه، ويقدر يكون زلايجي عنده كفاءه، قباص عنده كفاءه، مغني عنده كفاءه، ملحن عنده كفاءه، يعني ماشي ضروري يكون طبيب او مهندس او 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 او, أو. هذه النقطه راه كلشي الحمد لله متفق عليها. انا اللي اكد عليه هو ان خصنا نبنيو الاصل ونمشيو حنا بعدا متيقنين بلي هادشي اللي عندنا راه مزيان غادي في الطريق، ما قلناش لا الحمد لله كاين يعني كاين خدمه، ولكن خصها تكمل باش هادوك الناس اللي غادي يجيو ما يقدروش يهربوا ولا يرجعوا. وكما قال سي هشام قبيله كاين كيشي اينيك موجود في المغرب، ولكن التفعيل ديالو باقي خصو شويه ديال باقي عاد كما كيقولوا باك صاحبي وباقي عاد لونفولوب وباقي باش ما نكذبوش على راسنا. حنا مغاربه وعايشين في المغرب والناس راه في الخارج كيجيو كيرجعوا، وشحال من واحد خسروا فلوس كبيره، يعني باش ما نوقعوش في نفس الاخطاء والامور تطور ان شاء الله وتوصل للحق ديالها. المغرب عنده فلوس ما تكذبوش على راسنا، المغرب عنده فلوس، كيجيو ناس كيديو الفلوس وكيجيو ناس كيخدموا كياخذوا الفلوس، ولكن ولاد المغرب كياخذوا الفلوس، ولكن خاص غير تكون الكفاءات ويكون الناس اللي غادي يشجعوهم باش ياخذوا الفلوس يكونوا قادين بداك الشيء. وان شاء الله قبيله السي هشام قال لك واش هاد الناس اللي في المكاتب يعني واش عارفين فين راهم ولا غيرهم تما، يعني واش عارفين باللي راه في هذا المخطط راه غادي في واحد الاتجاه على السكه ديالو واللي راي راهم كيحطوطين خاص غادي يدفع لوكوموتيف باش نمشيو للقدام. شكرا بزاف لكم، شكرا لك تبقاوش باللقاء ديالكم، شكرا الشيخ هشام معرفه خير وتبارك الله عليك، شكرا للمدام سعاد زيري، شكرا للمدام حسنة اتحادي، شكرا للسي عبد الله السعيدي، سي مصطفى والاخوان الاخرين، وتبارك الله على الجميع وتبارك الله عليكم وسي سعيده. شكرا جزيلا سي عزيز اللي دار المداخله، ما كانش في حد ذاتها سؤال ولكن مداخله تكميليه. سي مصطفى تفضل، لان كان مجموعه ديال الاخوه اللي طلبوا الكلمه باش نكونوا عمليين، تفضل سي مصطفى سؤالك السي هشام جديد تفضل. وشكرا على الحضور ديالك مثل كل مره سي مصطفى. سي مصطفى تفضل. ميكرو سي الخالق ميكرو. لا سي بو عطيتك الميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اصلي شكرا جزيلا سي عبد الخالق والاستاذ الطالب سي هشام. واش تسمح لنا سي عبد الخالق
نهضر واحد شويه على ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي او لا نحط ان كيسيون. لا فو ميو ربما مره اخرى سي مصطفى الا كان ممكن تحط مادام انك تبارك الله انت مخضرم وكنت طالب المغرب وكملت لي زيتي ديالك هنا بفرنسا واكيد عندك يكون واحد السؤال في وجيه السي مصطفى باش بور اونغيشيغ اونغيشيغ لو دوبا. تفضل سي مصطفى. D'accord. Un petit signe pour Aziz. En fait, quand le Maghreb est géo, vous avez fait que je suis encore en train de faire un marge. Alors, je suis bien installé, alhamdoulilah, donc je n'ai pas de problème. Bon, entre parenthèses, j'ai une question en fait, à poser. C'est une question en fait, qui est un peu ancienne, mais surtout qui s'est un peu amplifiée avec la propagation du virus, bien sûr, de la COVID-19. Et il y a en fait, c'est l'immigration numérique. Alors, il y a des gens qui sont installés au Maroc, qui prennent enfin, des contrats de travail aux États-Unis, au Canada, en France, ailleurs, et qui restent au Maroc, qui travaillent depuis le Maroc. C'est une sorte d'immigration numérique. Il y a plus que ça. Mais il y a ici au Maroc des étrangers, des Français, des Italiens, surtout les Européens. Par exemple, je prends un Français. Il est Français, il travaille en France, mais installé au Maroc. Alors, il travaille depuis le Maroc en France alors qu'il est français, il n'est même pas marocain. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une immigration de sorte numérique également? Est-ce qu'il y a des données officielles sur l'immigration numérique? Et qu'est-ce qu'on a comme information sur le sujet? Surtout que c'est une tendance dans le monde entier. Et merci. Merci beaucoup, c'est Mustafa. Une bonne question, c'est Hicham. Et c'est vrai, parce que, comme on avait dit tout à l'heure, dans les coulisses, c'est vrai que le corona, il a retracé le monde et puis après, on assiste à cette... Non, il a raison, c'est Mustafa, mais pour répondre à Haka au tac au tac, on n'a pas de données. Mais qu'est-ce que les statistiques? On ne sait pas combien de personnes partent et combien de gens ils retournent, comme vous d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas de comptabilité. On n'a pas, d'ailleurs, sur l'immigration de manière générale, rares les pays de départ notamment qui ont une, on va dire, un système statistique fiable qui définit. Parce que souvent, on fait appel qu'aux données de l'UNESCO ou de la Banque mondiale pour avoir quelques chiffres plus ou moins fiables. Donc, les 15 mois, le débat politique, le Parlement ou la... des acteurs économiques qui voulaient qu'il y ait 700 ingénieurs ou 700 médecins qui partent, mais elle fait une autre sartage quand c'est neuf le chiffre. Peut-être c'est vrai, yek. Ou alors qu'on voulait remis je viens de les donner. Parce que tiens, on est radin brint, parce qu'il m'a parlé ou parce qu'il dit la référence. Mais si un rigole à si de montagab dial dial chez Facebook da ou qu'elle a gagné le Parlement, radin de dire à ben à quoi c'est. Ou alors qu'on qu'est-ce que vous voulez 700 chaque. Ou alors qu'on qu'est-ce que vous voulez je prends un pour Mustafa l'erge. وهذه القضية ديال أنه الإميغراسيون نيميريك بيان سور دابا كاينين دي ملتي ناسيونال كي سون بازي على لترونجي اي كي ديلوكاليز لو ترافاي مع هادشي ديال التيلي ترافاي ماتنو il le délocalise dans les pays de ce qu'on appelle les pays du sud, notamment le Maroc. Ce phénomène aussi ديال des gens qui sont normalement qui travaillent ici en France ou qui sont au Maroc ou là dans d'autres ou là en Espagne, ça existe aussi. Donc tout ça, ce sont les nouvelles formes de migration, notamment de migration nord-sud. Les retraités, les KGO, le camping-car, ou qui est le Maghreb, ou qui est professeur. Une retraite de 1000 euros. Et donc en France, il est comme un poisson dans l'océan, mais quand il rentre au Maroc, c'est comme une baleine dans un aquarium. Donc 1000 euros le Maghreb raka aïch mizien ma katmchi la l'hôtel la walou katmchi le marjan katqta dakchi ma katkhsar walou. Donc oui, c'est des phénomènes migratoires qui existent et qui se sont amplifiés avec justement la COVID-19. Donc là, il y a d'autres, effectivement, il y avait des phénomènes de blocage, mais aussi des phénomènes de mobilité et des mobilités numériques comme ça. Merci beaucoup, c'est Hicham. Serdouane, il faut activer le micro. Salam alaikum. Merci, monsieur Hassini. Merci, Hicham Jamid, pour cette présentation et le travail que vous faites depuis plusieurs années. Moi, je vous avais vu, monsieur Hassini, à Sriret, je crois, en 2018, pardon, lors du premier atelier. Donc, c'est là que vous avez remarqué que je vous suis depuis quelques années sur les réseaux. Merci beaucoup, Serdouane. Moi, je suis peut-être le seul peut-être qui est né en France. J'ai 46 ans et voilà, je vis à Blois, dans la région centre. Et je suis plutôt… j'étais venu au Maroc. La partie culturelle, je travaille dans un théâtre depuis une vingtaine d'années.
Voilà. Et alors, moi, c'est un sujet qui me passionne tout le temps, cette question de l'immigration. Parce que moi, je suis fils d'immigration, voilà, fils d'immigré. Mon père est marocain de Tsaza. Je revisite régulièrement l'histoire et l'évolution de cette immigration dont je suis issu. Et je me suis très intéressé au réseau de compétences, notamment en région centre qui s'est créé, et j'y ai participé. Et j'ai observé aussi des choses très intéressantes et je voudrais partager, mais très rapidement, et il y aura des questions pour Richard également. Je vais être très très bref, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je suppose. Mais oui, tout à fait. On organisera aussi un sujet qui concerne aussi ces enfants d'immigration sur la question de la marocanité, qu'est-ce qu'il en reste. Marhaba Serdouane, déjà merci parce que là je me rappelle d'Erdouane, on s'était vu à Strat en 2018 et je dis toujours cette plateforme, elle est à vous, on est ouvert à tout sujet et Marhaba Bek, une proposition, on fait appel à tous les Marocains du monde. Si vous avez une thématique, et on sait, on a traité énormément de sujets, ça va du social, de l'investissement, de la santé, avec grand plaisir. C'est une thématique très, très intéressante, Serdouane. Alors, sur la question, alors, je pense qu'il faut reparler de l'immigration, ce n'est pas l'objet ce soir, mais l'immigration, l'histoire de l'immigration, moi, je pense particulièrement à celle des années 70, donc on est quand même dans une fuite, c'est-à-dire que c'est, vous l'avez dit vous-même plusieurs fois, la fuite des cerveaux. Donc, quand vous fuyez le feu, vous n'avez pas envie de revenir, forcément. Vous attendez souvent, moi, je pense à mon père qui est à la retraite, parce que c'est maintenant qu'il commence un peu à retourner au Maroc. Donc, on a, les cas sont très divers. Hein. Moi, je connais des gens qui étaient enseignants ici, qui pouvaient rester, mais qui sont retournés au Maroc. Mais il y en a beaucoup qui fuient le Maroc aujourd'hui, il faut le dire. Il y a des jeunes qui rêvent de partir en France, mais pas qu'en France. Aujourd'hui, on voit que la situation elle est tendue en France aussi. Elle n'est pas très accueillante aujourd'hui pour les immigrés. On voit la question des visas qui encore aujourd'hui, mais la loi, par exemple, aussi sur la nouvelle loi, d'ailleurs, qui est passée il y a quelques années, où personne ne sait sur la double nationalité. Maintenant, vous êtes plus, quand vous avez la double, ben vous êtes plutôt marocain que français. Donc, il y a des choses hein, qui changent et dont personne ne parle. Il y a effectivement pour cette catégorie de marocains issus de l'immigration, une question qui se repose et je pense qu'il va ressurgir prochainement, peut-être avec un mouvement, je ne sais pas, hein, qui va dire, attendez, nous on est né en France, on est français et on est aussi marocain et on tient ces deux richesses, on est riche deux fois, donc on est plus riche, mais donc il ne faut pas jouer avec cette notion de droit qui est très importante. Je le dis juste sur l'histoire donc, de l'immigration et son actualité, c'est-à-dire voir aussi les flux qui existent entre ceux qui sont là, ceux qui sont à la retraite, ceux qui repartent, les jeunes aussi qui circulent. Sur la question des réseaux de compétences, c'est le sujet, les compétences des Marocains. Il y a moi, j'avais posé une question à un responsable avec qui j'ai échangé par mail sur les besoins. Quels sont les besoins identifiés? Le docteur Thierry en a parlé tout à l'heure. Il faut bien répondre à tes besoins. Quels sont les besoins identifiés? Il m'avait répondu, il m'a dit que les besoins, on est en train d'y travailler. En fait, on est en train de faire un peu le diagnostic. Ça, c'est il y a 4 ans qu'il m'avait dit ça. Je me suis dit, mais vous appelez des compétences, mais on n'a pas identifié les besoins parce que les compétences, il y en a au Maroc. Faut pas, il y a des, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des cadres, il y a des gens, des gens de toutes compétences d'ailleurs, avec qualification plus ou moins haute. Mais il ne faut pas rentrer en conflit avec les compétences qui sont installées au Maroc. On est bien d'accord. Donc, identifier les besoins pour aller les chercher dans le reste du monde, ça c'est intéressant. Et sur la question des compétences, les compétences, ce n'est pas que les Marocains qui ont des compétences. Moi, je ne sais pas, si je travaille dans une entreprise en France et j'ai cette compétence, je vais amener les compétences des Français aussi, c'est-à-dire de tout le processus, de tout la logistique. Bon, effectivement, ça paraît comme ça, évident peut-être pour vous, mais quand on parle des compétences, on pense à un Marocain qui a des diplômes et qui a des qualifications, et on l'invite, mais on n'invite pas tout son, son, son,
son entourage professionnel, ça toute la solidité, et toujours penser quand même qu'il y a un contexte aussi qui n'est pas le même. On travaille au Maroc, il y a un contexte social et culturel, etc. Donc voilà, c'est juste ces trois points. Je vais pas prendre Merci beaucoup, Serdouane. Est-ce qu'il y a une question précise pour Seycham ou merci beaucoup. Effectivement, c'est bien. Sur les besoins identifiés, moi j'avais juste une question par rapport à ça. De réponse. Seycham, n'hésite pas, Mamarhbabik, écoute, pour ta proposition thématique, tu seras le bienvenu, cher ami. Merci, Barakoua. Merci beaucoup. Alors, on va, pour ne pas tarder, Seycham, une dernière question, tu as Serdallah Seydi qui est présent, et après, on fera, bien sûr, tu donneras la parole de fin, Seycham. Tu donnes Serdallah. Micro. Il faut activer ces micros là. Oui. C'est bon. C'est bon, très bien. Marhaba. Salam, c'est Hassani, salam, c'est Hicham. Merci infiniment pour ce débat, si c'est le cas. Donc c'était vraiment intéressant malgré que j'avais un problème de micro auparavant, mais là c'est bon donc. Alors, avant, on parlait de diaspora concernant les Juifs. Mais là, on parle de tout le monde. Moi, je veux m'intervenir juste concernant un point. C'est la migration dans les deux sens. On a les lauréats marocains qui se déplacent vers l'étranger pour chercher un emploi à cause de ce qu'on appelle le chômage déguisé ou bien le chômage dans le vrai sens au Maroc. Mm-hmm. Mais on voit que les jeunes lauréats marocains qui sont de nationalité française migrent vers le Maroc parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le Maroc. Ces gens-là, ils ne viennent pas à cause du chômage que ce qu'on cherche, parce qu'ils savent très bien, qu'il y a beaucoup d'opportunités au Maroc et les diplômés étrangers au Maroc sont mieux payés. Ah, si, concernant Aziz, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je travaille dans le privé. Alors, si vous avez 5 minutes de retard, vous ne serez pas payé, vous avez un contrat à rendre au patron et tout cela. Mais tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut encourager les jeunes marocains à revenir au Maroc parce qu'il y a pas mal d'opportunités au Maroc. Le Maroc, c'est tout le Maroc et les opportunités se trouvent au niveau de Casa, Tanger, Marrakech, pour les investissements, c'est Marrakech, pour le travail donc, dans les sociétés, les multinationales, tout cela, c'est Casa, dans le public, c'est Rabat, mais il faut encourager tout le monde, il faut, si c'est possible, vous faites un débat concernant ce genre de problème qui rencontre les jeunes marocains, soit les jeunes qui aillent vers l'étranger, ou bien les autres qui reviennent vers le Maroc. Pour ceux qui reviennent vers le Maroc, je ne pense pas qu'ils rencontrent des problèmes pour les lauréats. Parce que avant qu'ils viennent au Maroc, il a déjà signé son contrat et c'est très bien son salaire. Ils sont très, très bien payés, ça je le jure, parce que je travaille avec des gens pareils. Ils ont des salaires plus élevés que nous parce qu'ils ont un diplôme européen, soit français, soit autre. Merci à vous. Et je m'excuse pour l'intervention. Non, mais merci. Seycham, avant de donner, il y a Dr Attihadi qui souhaite prendre la parole. Et comme ça, tu glisseras aussi un mot par rapport aux deux interventions de nos deux amis. Et bien sûr, si tu as des propositions, parce qu'on attend aussi, parce que c'est vrai, mais je sais, toi aussi, quand tu as fait des recherches, il y a une synthèse. Et moi, ça m'intéresse aussi, ça qui m'intéresse, quelles préconisations, quels outils, sachant que voilà, c'est ton œil d'étudiant, de chercheur qui serait très, très intéressant pour clôturer ce webinaire. Lala Hassna, à toi la parole. Active le son. D'accord. Salam alaikum. Quand je crois que c'est Hassani, comme d'habitude, un débat très à la hauteur. Monsieur Hicham, vraiment très intéressant ou émouvant par moments parce qu'il y a des vérités qu'il a prononcées. Je vais retourner dans les compétences. Moi, j'ai juste, comme il a dit, c'est Hicham,
pour les compétences médicales, c'est vrai qu'ils ne mettent pas le zoom sur les validations de diplômes et la souffrance des médecins pour exercer. Parce qu'il vaut mieux mettre un peu le zoom, parce que ça, c'est important pour que les gens qui veulent immigrer, surtout les jeunes médecins qui veulent immigrer, voilà, qu'ils savent que ce n'est pas rose, comme ils le prétendent. Voilà. Et ça, c'est, on aurait aimé qu'il y ait voilà, des témoignages et des parcours. Hein, et qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Et des parcours de combattants, des parcours de validation, des stages et avec des statuts sous-payés et des gardes plus voilà, il faut travailler 4 fois plus. Voilà, il faut voilà, c'est juste ça. Il a prononcé ça et ça m'a vraiment. J'ai dit ben oui, c'est vrai qu'on parle de compétences, on parle de validation, d'immigration, et ce n'est pas rose de l'autre côté non plus. Et ça, c'est important, c'est juste cette petite lumière qu'il a prononcée que j'ai trouvée très intéressante de la mettre en valeur. Et je vous remercie, c'est Hassini, ou quand je remercie les amis, les hadrés, les canaraf ou les makanaraf, salam alaikum. Merci beaucoup, Lalla Hassna, et merci pour ce témoignage. Alors, la Hassna, c'est une compétence médicale marocaine qui est venue, mais qui a tracé, mais qui a son chemin, son parcours. Elle est médecin généraliste et gériatre, et d'ailleurs qui travaille sur les deux rives. Mais comme elle a dit, et comme elle l'a aussi confirmé, c'est Hicham, que ce n'est pas du tout rose, que ce soit nous aussi dans toutes les catégories, il faudra qu'on travaille beaucoup plus, ou deux fois le double ou le triple, pour éventuellement se confirmer. Mais alhamdoulilah, tous les kafa'at, لأن اختات العاتق ديالها أنه تهاجر وكتفرض الوجود ديالها في بلد الإقامة ولا بلد فهاد بلد الإقامة إلا وهاد الإكسبرتيز سوري تخي تخي زيتيل بور لو ديفلوبمون دي ماروك. A toi c'est Hicham, le mot de la fin, et on te remercie infiniment, et d'ailleurs on aura besoin de toi dans plusieurs, inchallah, plusieurs webinaires sur plusieurs thématiques. Ça m'intéresserait énormément les étudiants, parce que c'est très important. Quand on voit, tu sais, les Marocains, il y a 2 ans, ils étaient 40 000 étudiants marocains sur la région parisienne. C'est énorme, et on en voit chaque année, il y a des étudiants qui souffrent, qui aussi sont très très jeunes, très très jeunes pour continuer leurs études, tout ça. Tout ça. Ma conclusion, ça va être des petites idées, hein, claires. Le type de migration, la migration, la fuite des cerveaux, il faut savoir, c'est quelque chose qui, cette forme d'immigration concerne tous les pays, que ce soit les pays du sud ou les pays du nord. Le nombre de médecins, d'ingénieurs français qui quittent aussi la France pour aller travailler au Canada, aux États-Unis. Donc, ça concerne tout le nombre d'Italiens qui ont fui l'Italie avec la et d'Espagnols pendant la crise de 2008, etc., qui ont quitté l'Italie, qui ont quitté l'Espagne pour aller en Angleterre, pour aller en Luxembourg, pour aller en France, pour aller en Belgique. Donc, pour dire, le Maroc aussi, il est dans cette mondialisation migratoire. De manière inégale par rapport aux autres pays. C'est la première chose. Je n'ai pas aimé le concept de la fuite des cerveaux. Parce que quand on dit la fuite, donc, tu blâmes la personne. L'immigration, c'est un droit. كل واحد عنده من حقه انه يتمنى يعيش في واحد البلاصه اللي غادي يتكون فيها احسن واللي غادي يتعلم فيها احسن واللي غادي يكون عنده اكسي ان بلون دو كاري احسن واللي غادي يعيش فيها احسن. دونك سي ان دووا ماشي باسكو دون لوغ ديسكور كيقولوا ماشي نورمال هاد ليكزود دي سيرفو وحنا راه خسرنا عليهم وكذا. باش بحال دابا والديك غادي يمنوا عليك يقولوا لك راه حيت حنا قريناك وكذا وكذا راه ضروري انك tu dois rembourser en quelque sorte. C'est comme si l'état a investi dans ses citoyens ou hadouk les citoyens. D'ailleurs, dans certains travaux théoriques, il y avait un chercheur Barghrawati smitu قال لك خص هادوك les états يعطيو des taxes les pays. Donc هذه النقطه الثانيه. النقطة الثالثة أودي أنه راه كاين لي ديبار سيرت ولكن راه كاينين الناس كيرجعوا ساسكوا دي ماروكان اون فادير نيو ماروك ولا دي اوروبيان
d'origine marocaine qui trouvent aussi des opportunités intéressantes au Maroc. Mais chérie, quelles sont des opportunités en termes économiques? Ou les gens ne trouvent aussi, je n'ai pas les raisons, les clés de Nestmchi, je n'ai pas les raisons, les quatre lignes Nest, c'est pas grave, je connais pas les raisons, les quatre lignes Nest, c'est pas grave. Alors, je n'ai pas les raisons parce qu'il était contraint de retourner, c'est pas parce qu'il a choisi. Le retour n'est pas toujours un choix volontaire, alors parfois par contrainte. Parce que ici, dans le pays d'immigration, les gens, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas satisfaits par rapport au climat social, par rapport à la précarité juridique et économique, les questions de déclassement social. Ce qu'on appelle, avec le langage bourdieusien, héritier, il a fait le lycée français, etc., issu d'une famille. Ou alors, il y a un mataf qui est né, qui a un 20 mètres carrés à Paris. وملي كيطلع للمترو كيجلس حدا شي مراه كبيره كتبدل الصاك ديالها وملي كيمشي لشي حفله ولا كذا وديما ولو رونفوا سون اوريجين دونك يا aussi ces questions de d'ascension ou de mobilité sociale qui sont beaucoup plus réalisables et atteindre au Maroc qu'ici en France. Donc بعدا خصنا نشوفوا هذا السوجي هذا راه كندير شويه الماركتينغ المون ترافاي. C'est vrai, pour le moment, c'est un peu le seul qui a abordé les trajectoires de ces personnes ou ce profil de manière fine. Savoir comment ça se construit un projet de départ pour études. Pour les études, ou à l'étranger, qu'est-ce qui fait qu'il reste, qu'est-ce qui fait qu'il rentre. Sans parler ce que j'ai appelé les bifurcations biographiques. Ça veut dire donc les changements de la personnalité de l'insan, شنو هما الحوايج اللي خلى دو كوتي, شنو هو الحوايج اللي il a plus adopté, شنو هما الحوايج qu'il a mis et qu'il a questionné, etc. Et pour dire que effectivement le Maroc il avance, il bouge, il a besoin de ses compétences, ou il y a des compétences qui sont aussi formées au Maroc. Donc là, il faut cibler. D'abord le Maghreb راه ماشي واقف غير على la diaspora ديال Merci. Donc, et puis, ce n'est pas forcément aux migrants de faire le développement de son pays. Ce n'est pas, c'est pas une vocation. Ce n'est pas... D'où les le gouvernement, d'où les 4 000 blagues. Ou là, j'ai le Maghreb, qui a 90 milliards d'abord sur les transferts, ou là, qui est de même les régions d'origine des Marocains ou pas. Donc, il faut voir toutes ces questions-là. Ou, choukran bzef, c'est le khalq, à l'estidafa, choukran le moutadkhine ou moutadkhilat, ou la rahb ou sa'ad, inch'Allah, n'tlaqaw, min le virtuel, rien, inch'Allah, na ou la lié. Avec grand, grand plaisir, si Hicham. Redouane, il a dit, je pense que les Marocains peuvent rester là où ils le souhaitent, d'ailleurs. Mais nous devons améliorer les liens pour que les compétences circulent mieux. C'est ce que tu avais dit, c'est Hicham. Donc, tu as souligné, il y a des portes sont ouvertes. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit maintenant de se mettre autour de la table. Voilà. Et cela le plus rapidement possible. Et je pense que pour échanger, pour... rebâtir ce pacte de confiance qui est très important. Et je pense que le moment est venu de mettre les Marocains du monde le développement. J'espère que ce n'est pas un effet de mode. Voilà. Tout à fait. Et aussi, on ne parle pas qu'au niveau du gouvernement, aussi ou des collectifs locaux, parce qu'on sait très bien qu'il y a des diasporas de partout, sur l'Oriental, du Sud, etc. Il faut aussi donner des outils. Je pense que cette diaspora, elle est prête, elle l'a montré lors de la crise sanitaire, a joué un rôle très, très important, le progrès socio-économique. Et tu as dit à la fin... c'est vrai, on n'a pas envie de dire que le salut du Maroc viendrait certainement par le retour de cette diaspora. Non, je pense qu'on est, comme il l'a cité, c'est qui c'est Yarbi qui a parlé, c'est Mustapha, il a parlé de cette mondialisation, une ouverture vers d'ailleurs cette migration numérique, il y a aussi une ouverture vers la mobilité de compétences. Je pense que les compétences, la diaspora, elle est présente, elle est partante.
Mais je peux, à travers ce débat, nous plaiderons pour des passerelles permanentes et continues d'échanges, comme on vient de le faire, de partage. Je pense qu'elles sont très importantes pour contribuer, pour aussi constituer ce nouveau modèle de développement pour le Maroc de demain. C'est, on l'a dit, c'est un Maroc, parce que 2035, qu'a souligné le nouveau modèle de développement, c'est demain 2035. Donc, il y a de l'expertise, il y a du savoir-faire qui est disponible. Donc, et aussi, ce qui est, je pense, ce capital humain, ce qui est très, très fort, on a ce nationalisme qui constitue le driver de ces Marocains, qui peut aussi alimenter un projet d'envergure qui est construire ensemble un Maroc demain avec toutes ces expertises. Je parle localement d'abord, parce que localement, il y a énormément de compétences qu'il faudra valoriser. C'est Abdoullah Saïd, il a dit qu'ils sont mieux payés que nous parce qu'ils ont des diplômes, qu'ils ont des crochets ailleurs. Mais on a des compétences. J'ai partagé, j'ai communiqué, j'ai travaillé avec des compétences marocaines de très, très haut niveau, mais qui ne sont pas valorisées. Donc, tu as parlé de capitalisation de ces compétences des Marocains des deux rives. C'est ce qu'a souligné le Sevrin. Tu as parlé aussi de la mutualisation et aussi de l'évaluation. Jazil Shokar, si Hicham d'avoir accepté cette invitation, sache que tu seras toujours le bienvenu. C'est Hicham qui est docteur en sociologie du Conservatoire national des arts et métiers. On est fiers d'avoir des chercheurs de ce niveau-là. C'est un doctorant aussi à l'Institut de recherche pour le développement de l'IRD au sein de l'Université d'Aix-Marseille et aussi un spécialiste des migrations internationales marocaines. Un clin d'œil à Shadi Arab, notre ami qui nous suit, qui salue ton intervention et aussi qui nous a ouvert cette porte d'avoir ces gens. Voilà des compétences aussi, qui fait aussi un travail extraordinaire. Shadi Arab, elle était avec nous. Les associations, ben on la remercie. Et puis moi, c'est un modèle et c'est une idole, vraiment. J'aime beaucoup Shadia et félicitations à tout le travail. Et à chaque fois qu'on l'a sollicité, Shadia, c'est depuis des années et des années, que ce soit ici ou non, qu'elle est toujours présente. Bien sûr. Désolé, c'est Hicham, parce que c'était très, très riche. On était parti sur une enveloppe d'une heure, mais c'est tellement, tellement riche. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, qu'on doit dire, et on aura d'autres. Merci à ceux qui l'ont suivi aussi sur les réseaux sociaux. Ou le Moïd Diana, la prochaine fois. Et Marhaban Marokhra, on est ouvert à toute proposition. D'ailleurs, j'ai laissé l'adresse mail sur le chat. Si vous avez des propositions, si de thématiques, de débats aussi, interventions, Marhaban, et Nachikoulo, Rassidu, on fait du bénévolat, bien sûr, Hubban Flowatan, ou Kadelik, nos compatriotes, que ce soit ici ou ailleurs, les Marocains des deux rives. Omsiya Saïda, ou à la prochaine, Inch'Allah. Comme on a le temps de terminer. Shukran, c'est Abdel Khalik, Omsiya Saïda, le Jamais. ونتمنى عودة الفرسان إلى المائدة ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي بوكو. Thank you.